Bonsoir à tous. Merci de ce côté. Tu peux m'aider à saluer mon frère Ego. Bonsoir, on fait ça. Bonsoir, on fait ça. On s'en peut mettre dans le monde. Moi, c'est ton roi. Demande-lui comment ça va. Demande-lui le marathon de prière, ça se passe comment? Marathon de prière, les autres, les gars, les gars. Est-ce qu'il est sérieux avec Dieu? Demande-lui. Est-ce qu'il est sérieux avec sa mère? Pour cette opportunité que nous donne de pouvoir être ensemble. On a dit parfois persécution tous les robots. De partager la parole de Dieu. Dieu bénisse son serviteur, son épouse. Hier soir, nous avons parlé du secret. De l'accélération divine. Nous avons parlé sur le fait de nourrir ses parents. Nous voulons nous appuyer vraiment sur l'Abraham pour développer notre temps de séminaire. Nous avons vu qu'il était important d'être d'honorer les pères et les mères. Père et les mères sur le plan biologique. Mais c'est aussi sur le plan spirituel. Car cela amène une connexion divine. Dieu va s'en servir pour vous propulser. Et très souvent, on honore souvent le Père. Mais souvent, la mère, souvent, n'est pas honorée. Et selon la pensée de Dieu, l'honneur qu'on doit au Père, on le doit aussi à la mère. Parce que très souvent, la mère joue un rôle très important. Côté du Père, pour l'aider à accomplir la vision. Une mère est une source d'encouragement pour le Père. Une mère est un soutien pour le Père. Une mère est un support pour le Père. Et une mère aide le papa ou bien l'accompagne dans sa mission. Donc si la mère n'est pas là, ce qui maman a santé, papa n'accompagnera pas bien sa mission. Papa, au moment où ça va trop bien, si maman dans son âme souffre, ce qui maman a souffert pour la mère, papa sera démangé. Et à cause de cela, Dieu s'est fâché. Et Dieu a frappé même Marie de la reine. Pourquoi? Tu touches maman, en réalité tu touches papa. Aussi maman, il y a solo aussi bien de tata. Alors il est important dans la pensée de Dieu de protéger la maman. Combattre la maman. L'honorer. T'as combien bien hier? Même titre que le papa. Dernièrement pour la tata. Amen. 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 Quelqu'un a dit une phrase qui m'a beaucoup marqué. Je vais nous le lire. Il dit la mère est très importante. Pourquoi? En réalité, la solo, c'est le père qui est le gardien de la bénédiction. Si tu veux être béni, ça va passer par le père. Mais la mère est le gardien du père. Quand tu honores la mère, en réalité, tu as déjà honoré le père et tu prends déjà la bénédiction. C'est ce que Esaïe n'avait pas compris. Le père aimait Esaïe. Et la mère aimait Jacob. Mais maman a fait coller à Jacob. Laissez-moi vous dire, pour hériter la bénédiction, tu dois tout faire pour gagner le cœur de maman.
ici de le voir, papa. Tu veux être bien avec le papa. Si la maman bloque, ce que maman t'a dit, papa ne va rien faire. Papa, ça la peine. Mais quand tu es bien avec maman, même quand papa bloque, maman dira chérie, ouvre les cœurs et dit, je prie pour le nom de toutes les mamans. La fesse des j'ai pas cherché. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour sa vie? C'est pour cela, ne vous mettez pas à critiquer maman. Il y a beaucoup de temps à ton maman. Non, il faut l'honorer. Et ça veut dire, on coupe sa vie. Il faut l'honorer. On peut bien y aller. Et Zali n'honorait pas maman. Et ça va, c'est ton bien. Il dit, maman, quand je suis là, j'aurai la bénédiction. Allez, à ta maman, on lui mettait dans vos enfants. Ce qui ne sait pas, c'est que maman a entendu quand papa a parlé. Aïe, mais maman, parti chercher du jardin. Celui qui avait le cœur de maman, j'attends, était là. Et maman a donné des stratégies. Et maman, après, si et la bénédiction de l'homme est tombée sur Jacob. Et pourquoi il n'y a pas Jacob? Mais maman, vous êtes libre. Honore ton père et. Honore ton père et. Aucun homme n'aime qu'on touche à sa femme. Pourquoi tu viens toucher la mère? Eux aussi, ma maman prend. D'ailleurs. Où tout, il faut l'honneur. Et ce qu'elle est combien derrière? Dis un bon amen. Dis encore un bon amen. Fais tout pour que la mère soit contente. Ça a dit ce que maman a cette année. Regarde, on va dire, fais tout pour que maman soit contente. Donc, je suis en train de vous donner des secrets, non? Après, c'est vos secrets. Vous voulez pas connaître l'accélération divine? Vous voulez comment la terre va faire pour vous savez qu'elle n'est pas au moi, dans cette vie, je ne respecte l'homme de Dieu. Il y a des questions à tous à cause de ça, il y a des après. Il y a un danger. Vous allez comment? Il y a aussi la maman. Maman, père, Zali. Porte des regards sur Abraham. Mais aussi sur Sarah. Du côté de Sarah. Ah, pas seulement, non? T'as qu'Abraham, père. Mais aussi Sarah. C'est elle qui est votre mère. Il était maman d'Abino. Parce que quand papa pleure, il pleure avec maman. Quand votre tata est là, elle est là, maman. On voit papa, on ne voit pas maman. Parce qu'on appelle la papa, parce que maman est souvent cachée. Maman, bon, maman. Elle est souvent derrière. Bing, à la cima. Attention, parties du corps qui sont cachées, elles sont les plus importantes que ce n'est pas la victime. Surtout les pauvres habitants, ça vaut tout. Il y a même des collègues qui ont besoin. Mais maman, l'oreille, je vais dire, maman, je vais dire. Ok, j'ai un tata qui tourne, la boutique, la casse, on va le voir, maman, la bouffie. Amen. Comme vous avez dit, honore ton père et ta mère. Et puis ça, c'est quoi? Même bien tata et maman. Dis-le-lui encore. Honore ton père et ta mère. Même bien tata et maman. Ok, ce soir, je vais vous parler d'autre chose. Je n'ai pas le bras à ma vous. Donc, Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Nous l'avons lu hier. Nous avons lu hier. Que Dieu disait à Abraham. Bon, ça va, ça va. Nous allons le lire. Nous allons prendre le texte rapidement. Donc, on t'a dit, bon, papa. Genèse 12. Genèse 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je bénirai ceux qui te béniront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Le terme de ma prédication, c'est le verset 2, la première partie. Je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Il dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Genèse chapitre 17. Genèse 17. 1 à 6. 1 à 6. Nous allons juste prendre le verset 6. Josué verset 6. Il dit ceci, je te rendrai fécond à l'extrême. Je ferai de toi plutôt, je ferai de toi des nations. Et des rois sortiront de toi. Genèse 18. Verset 18 à 19. 18 à 19. Genèse 18. 18 à 19.
Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Abraham a commencé à solo et pour l'abonné. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Mais Nakaxte, ma porte à Dieu sera de les choisir. Afin qu'il leur donne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice et qu'ainsi que l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous voyons ici qu'il est question d'Abraham, qui était un homme ordinaire, qui a vécu autant à Babel. On vous lisez bien l'histoire, c'est un bon ami. Quand Dieu a confondu le langage de ceux qui construisaient la tour de Babel, et peut-être on s'appelle à souper, toi tu es au boulot dans ma loupe, tu vas venir ici à Babel. Dieu va appeler Abraham. Alors je venais avant d'entrer dans le message nous dire qu'il est très important dans la paix de Dieu de recevoir la révélation qui vient de Dieu. Vous savez, il y a une différence entre la révélation et plutôt le christianisme, ou encore la relation que Dieu veut avoir avec l'homme et la religion. Dans Genèse 11, on voit l'homme pour mettre une relation de religion pour aller vers Dieu. Avec son égoïsme, avec son orgueil, Dieu l'a confondu. Et tout de suite, dans Genèse 12, nous voyons un Dieu qui se révèle. Dans Genèse 12, le monde ça va se révéler. Ça va se révéler à celui qui va être le père de la foi. Amen. Le but de Dieu, c'est d'être en relation avec l'homme. Ça veut dire que ça n'a pas été un mot. Et la relation avec l'homme ne commence que par la révélation. Jésus l'a confirmé. Il dit la personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et celui à qui le Père veut le révéler. La révélation, c'est l'action d'ôter le voile. Enlever cette caille de nos yeux. Pour voir Dieu, pour connaître Dieu, pour entrer en relation avec Dieu. Et tu ne peux pas être appelé de Dieu si tu n'as pas eu la révélation de Dieu. Il y a des gens qui se sont appelés eux-mêmes. Il y a des gens aussi qui ont été appelés par d'autres personnes. Ça constate des faux appels. Le véritable appel doit être une révélation. Quand Dieu vient se révéler à toi, ça peut être en songe, en vision, en méditant la parole de Dieu. Quand ça va se révéler à toi. J'ai noté 4 bénéfices importants attachés à la révélation. D'abord, il m'a fait des fils humides, mais il y a mon tout à quoi il y a la chose. La révélation est claire. Et dans les témoins, c'est déjà clair. La révélation de Dieu va te donner une lumière. Et qu'on puisse aller au pôle sur le plan de Dieu par rapport à ta vie. Dans mon cas, dans l'exemple, il n'y a pas de Dieu va t'éclairer sur ce qu'il attend de toi de manière précise. Ça fait accomplir sa congrégation, la poisson, c'est la bonne chose. Si personne se vient pour faire quelque chose, ce qui a fait que pour ça, de l'autre, c'est la révélation. Et moi, dis va m'éclairer. Et qu'on puisse avec dans le plan de Dieu, la destinée. La deuxième chose qui est importante, la révélation va te stabiliser. Beaucoup de personnes ne sont pas stables. Tout simplement parce qu'elles ne savent pas qu'est-ce que Dieu attend d'eux. Il y a un esprit d'instabilité qui s'installe aujourd'hui même dans l'église, même au milieu des serviteurs de Dieu, parce que tout simplement ils ne connaissent pas le Dieu de leur appel. Alors, la révélation va te stabiliser par rapport à ta destinée. Tu n'es pas appelé à faire comme tout le monde, parce que tu n'es pas tout le monde. Et tu es stable. Tu ne t'acconneras plus. Tu deviendras ferme. Tu auras l'assurance. Tu auras l'audace pour faire des choses. Tu connaîtras le Dieu qui t'a appelé. La révélation te montre la fin de ta course avant ta course. Et cela qui sera
Il appelle le Seigneur comme étant l'alpha et l'oméga. Mais c'est une erreur. Normalement, on dit pas alpha et oméga, c'est alpha et oméga. C'est-à-dire qu'il est le commencement et la fin. Dieu n'a pas de commencement. Dieu n'a pas de fin. Par rapport au temps, Dieu se positionne pour l'homme. Ça va dépendre si vous avez un commencement et une fin. Mais laissez-moi vous dire, Dieu connaît ta fin avant le commencement. Ça va être une souffle d'ailleurs, il y a malade. Non, tu n'as pas bien saisi. Avant que Dieu t'appelle, il sait déjà ce que tu seras demain. Il a déjà tout accompli. Il s'est déjà béni. Il a donné tout ce qui t'a promis. Alors tu reviens dans le passé et il t'appelle maintenant. Quelque chose que tu vas avoir demain, ce n'est pas nouveau pour Dieu. C'est déjà préparé d'avance. Oh, je veux dire à quelqu'un, Dieu prépare des choses d'avance pour toi. Même Lucifer et les Camerounais qui étaient préparés pour lui. Et toi. Et tes progrès seront évidents. Mais pour tout le cas d'ailleurs, pourquoi ne sois pas Simon. Simon veut dire roseau. Le roseau, le roseau, la révélation t'appelle Pierre. Pour le Pierre. Et Dieu te dit Pierre. Monsieur Lyon Pierre. Alors tu es Pierre. Et sous ce roc, Nicolas, Jésus, je bâtirai mon église. Le port de ce jour de mer, le port complet de mon frère, je te donnerai les clés du royaume. Lorsque tu as la révélation, tu deviens stable. Tu n'es plus un enfant flottant. Tu as tout volé de prix. Tu te stabilises. Je vois quelqu'un qui devient stable. Tu ne seras pas troublé par un pseudo-prophète. Et on verra ça tout à l'heure. Dans la nouvelle année, on pourra voir que tu es un prophète. Amen, 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 amen. Amen, amen. Troisième chose. Le quoi ça la révélation va te distinguer. Et moi, c'est le contient au compatible. La révélation va te distinguer. Et moi, c'est le contient au bébé. Ça va faire de toi une personne extraordinaire. Et ton corps, ça va pour tout, ça va pas ton yon. En réalité, tu es une personne ordinaire. Dans ton temps, ça va te voir ton yon. La révélation, c'est le contient au bébé. Extraordinaire. Et moi, c'est le contient au bébé. Une personne qui va faire la différence dans sa génération. Je vais vous donner à quelqu'un. Tu n'es pas un produit du hasard. Tu n'es pas venu dans ce monde pour accompagner les autres. Tu es venu pour un appel, pour une mission spécifique. Et Dieu va te démarquer. Tu verras la différence dans cette génération. Je croyais que je te parlais. Je disais que tu feras la différence dans cette génération. Bien aimé, chacun de nous vit dans une génération. Il y a des gens qui marquent leur génération. Donc ils ne font rien du tout. Mais quand Dieu se révèle à toi, je vais te dire le début de l'impact commence. Tu vas laisser des traces. Tu vas laisser des marques. Après toi, on parlera de Dieu qui a jamais toi. Aujourd'hui, les apôtres ne sont plus, mais on parle des actes du Saint-Esprit par les apôtres. Et on parlera aussi de toi. Parce que Dieu t'a appelé. Alléluia. Alléluia. Amen. Et là, on va dire, on va secouer notre temps. Touche ton voisin, on va secouer notre temps. Il va bouger. Ah non, je crois que tu crois. Dis-lui qui Satan, il va bouger. Je vois les petits démons commencer à fuir déjà. Parce que quelque chose a commencé à naître. Là où Jésus est, il y a le toit. Le toit a commencé déjà à briller. C'est la prière que tu mets des connexions comme ça. Regardez les choses qui se passent. Regardez les églises qui sont poussées. Regardez les extensions qui se
ce n'est pas l'argent qui fait la distinction. Ce n'est pas. D'ailleurs, les apôtres ont dit, je n'ai ni or. Je n'ai ni argent. C'est le chèque de l'homme. Les gens avaient l'argent, ce temps n'a pas marché. Les gens avaient l'or, ce temps n'a pas marché. Mais en contact avec le nom de Jésus, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus. Jésus a pleuré si toi aussi, parce que le jour qu'il t'a donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à toi. Que Dieu ouvre des yeux aujourd'hui. Connais le Dieu de ton appel. Tu n'es pas dans cette église par hasard. Non. Dieu t'appelle pour quelque chose de spécifique. Quatrièmement, la révélation de Dieu enrichit. Et moi, les Seigneurs, ça va t'enrichir. Ça va t'enrichir. Et pourquoi ils sont contre la Bosuie? Ça va t'enrichir. Et pourquoi ils sont contre la Bosuie? Oh, quand Dieu appelle, il t'enrichit. Mais regardez une chose qui est très importante qui va en rapport avec ce que je viens de dire. Allez, donc, tous les autres qui sont en haut, dans son droit. Somme Esaïe 51, verset 2. Esaïe 51, verset 2. Regardez ce que la Bible dit. Alors, Bible est Esaïe 51. Esaïe 51. Verset 2. Merci à Bible. Portez les regards sur Abraham. T'as la vie sur le col n'est pas Abraham. Votre père est sur la Bible. Et sur Sarah qui vous a enfanté. Mais n'est pas Sarah ou portez la Bible. Car lui seul je l'ai appelé. Je l'ai béni et multiplié. Pas poli et prêt à foutre ici. Regardez la formule biblique que le Saint-Esprit m'a révélée. Alors, formule qui a biblique, il y a dans ce texte-là. Il dit pour te regarder sur Abraham. Il dit pour te regarder sur Abraham. Et sur Sarah. Et dans Sarah. Le père et la mère qui sont. Tata, et Dieu dit lui seul, je l'ai appelé. Dans tous les appels qui viennent après, même Christ. Attends, ma prouve la source de son appel. Ok, tu n'as pas bien compris que Dieu t'éclaire à même à la maison. Deuxième chose, Dieu dit, lui seul je l'ai appelé, je l'ai béni, et je l'ai multiplié. On ne vient pas à Jésus pour être béni. La bénédiction, c'est le programme que Dieu a commencé avec Abraham et non avec Jésus. Jésus, je n'ai pas le temps d'aller en profondeur. Mais sache, quand on parle de bénédiction, tu dois revenir à Abraham. Ce n'est pas pour rien que même Jésus est fils d'Abraham. Quand on dit sa postérité, ce n'était pas Isaac, mais c'était le Christ. Sa postérité, c'était Christ. Galates, on parle. On parle clairement. L'appel égale la bénédiction plus l'utilisation. Retiens bien cette formule. La formule mathématico-biblique. Mathématique, il y a Bible. Est-ce que je peux aider quelqu'un? L'appel de Dieu égale bénédiction plus multiplication. On n'a pas dit addition. On n'a pas dit soustraction. On n'a pas dit division. On a dit multiplication. Donc toute bénédiction avec la multiplication. C'est ça l'appel de Dieu. En réalité, quand Dieu t'appelle, ok, je vais te parler, je vais te dire quelque chose. Beaucoup de gens suivent l'appel de Dieu. L'accélération divine des progrès en dehors de la ligne de ton appel. Encore un mot dans mon foulou qui te dit Banda, il y a même un sabbat avec le yo. J'aimerais te dire, tout le monde n'est pas appelé au sein du ministère, mais tout le monde est un appel de Dieu. Tu t'es appelé pour être un homme d'affaires, une femme d'affaires. Tu laisses ça, toi tu aimes le ministère, toi tu veux le micro, le maïs. Toi tu veux le maïs, toi tu veux.
soir. Est-ce que je bénis quelqu'un ce soir? Donc, comme Dieu veut te bénir, comme Dieu veut plutôt te propulser, quand tu veux connaître l'accélération, des progrès évidents, identifie la ligne de ton appel. Dieu m'appelle à toi. Et Dieu m'appelle où? Une fois que tu t'amplifies, reste sur le terrain. Tu vas commencer à voir la bénédiction commencer à germer. Et Dieu va multiplier cette bénédiction. Je vois quelqu'un qui va commencer à multiplier la bénédiction que Dieu va mettre sur sa vie. À condition de travailler dans la vie de son appel. Donc quand tu comprends ça, tu ne fais pas le couche. Compliqué, lorsque tu marches à l'obéissance, la
sanctification, dans la crainte de Dieu, quand les choses s'établissent, ce n'est pas un problème de démons, ce n'est pas un problème de liens familiaux, c'est un problème de Dieu lui-même. Dieu lui-même vient de compliquer. Quand tu compliques les choses, qui sent que sa vie est compliquée? Qui sent que sa vie est compliquée? Un peu. Si tu es dans le péché, réponds-toi. Mais si tu n'es pas dans le péché, sache que c'est Dieu qui complique. Dieu a rendu maman Sarah stérile. Le même Dieu qui a dit soyez féconds. C'est le même Dieu à cause de son plan complique les choses. Et on se pose des questions. Dans Genèse 11, verset 30. Genèse 11, 30. La Bible dit que Dieu avait rendu Sarah stérile. Stérile, elle n'avait pas d'enfant. Genèse 16, verset 2. Genèse 16, 2. La Bible dit que Sarah était stérile. Sarah, la stérilité, le manque de conception. Manque de productivité. Comment est-ce que je peux devenir une grande nation si je suis incapable de produire? Je te donne une grande promesse que tu rêves. Tu rencontres une dilemme, une possibilité d'apporter ce que Dieu te dit. C'est là que Dieu va t'éprouver. Alléluia. Dans les progrès évidents, tu dois qu'il y a la place de l'épreuve. Les épreuves sont normales. C'est difficile. Mais tu ne peux pas sauter les classes. Tu dois passer par là. Alléluia. Amen. Parce que Dieu veut augmenter ta foi. Sans cette épreuve, Abraham ne serait jamais appelé père de la foi. Je veux nous l'éprouver. Romains chapitre 4. On ne devient pas père comme ça. On ne devient pas mère comme ça. Il faut une expérience. Ah, il faut. Romains 4, à partir du verset 17, la Bible dit ceci: je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et espérant contre toute espérance, il crut et devint le père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Avant de devenir père de multitude de nations, comme Dieu l'avait promis, il aurait fallu d'abord qu'il croit. Normalement, le père, c'est la première personne à croire. Mais dans la Bible, Abraham n'est pas la première personne à croire. Parce que t'as fait ce que ça monte le poisson, on dit dans la Bible, il y a des parents qui ont de la foi de l'homme. On nous parle de Methuselah qui avait la foi. On nous parle de la foi de Noé. Mais pourquoi simplement Abraham, on l'appelle père de la foi? Parce qu'il a été éprouvé. Là où même il ne pouvait plus espérer. Il n'avait jamais vu un mort ressuscité. Dieu lui dit, tu ton enfant. Il était prêt à le sacrifier. Parce qu'il croyait que Dieu était capable de ressusciter l'enfant qu'il allait tuer. Où as-tu vu cette foi-là? Quand Dieu regarde, il dit, non, je t'ai établi père. Tu deviens la référence à la nation de la foi. Dieu qui ressuscite les morts. Un Dieu de rétablissement. Je ne sais pas les choses qui sont cassées dans notre vie. Dieu est capable de rétablir ces choses. Si c'est la santé, Dieu est capable de te redonner la santé. Si tu as perdu les choses, Dieu est capable de te les redonner encore plus. Et il appelle des choses.
de la Bible n'a pas fini de créer au temps d'Adam. Il est le créateur jusqu'aujourd'hui. Alors tu n'as pas bien compris. C'est-à-dire par rapport à ta vie, quand tu regardes à gauche, à droite, devant, derrière, il n'y a pas de solution. Sache que au ciel, Dieu peut créer une solution pour toi. Jésus est venu te dire, c'est le Dieu de la créativité. Il y a des choses que tu n'as pas encore vues. Des choses que l'œil n'a pas vues. Des choses que l'oreille n'a pas entendues. Des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Des choses que Dieu a réservées. Et il a préparées pour ceux qui l'aiment. Quand il est son enfant, Dieu est capable de créer les choses pour toi. Aujourd'hui, elle a 63 ans. Elle vient de se marier l'année passée. À ça, 63 ans, on dit qu'on parle. Bisous, bisous. Je suis venu te dire, tout est possible à celui qui croit. C'est possible à celui qui croit. Qui le croit? Qui le croit? Frère, le progrès, même dans ton petit cocoba, le progrès améliorera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est notre Père. Il a cru. Il a eu confiance. Mais dans la logique de Dieu, une promesse est comme une semence. Une semence ne peut jamais germer si elle ne meurt pas. Et Jésus l'a dit. Si le cœur de l'homme qui tombe à terre meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il portera beaucoup de fruits. Amen. Qui vit une forme de mort? Il y a des choses à faire, pas la mort physique. Des choses qui n'avancent pas. Blocage. Qui sont des blocages? Levez les mains. Qui vit le moment des blocages? Ok, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus va bloquer l'esprit de blocage aujourd'hui. Amen, amen. Amen, 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 amen. J'aime la parole. On nous dit dans la Bible qu'il y avait une femme qui était stérile aussi du nom de Anne. Si dans la Bible, moi, si pourquoi elle combat, comme la Anne. Elle a fait confiance à Dieu. Et quand Dieu l'a visité, Anne nous donne une parole forte. Anne a perçu son malheur. 1 Samuel 2, verset 5. 2 Samuel 2, 5. Et elle dit, Père Lobby. Et même la stérile enfante cette fois. Père Lobby, à ta moi, si elle combat, son pot, t'as pas la sabot. Donc ça veut dire que tu peux vivre une forme de stérilité. Ok, comme il y a le temps d'enfantement arrive pour toi. Si t'as pas pour moi, tu enfanteras 7 fois. Or, cette fois, ce n'est pas forcément le chiffre 7, c'est l'absolu, c'est-à-dire de manière illimitée. Le chiffre 7 est le moment où je suis venu dire ton sein maternel enfanté de manière illimitée. Ce n'est pas seulement des enfants physiques, mais des projets. Tout ce que tu as déposé avant, tu m'as enfanté. Tu as dit, j'ouvrirai le sein maternel et non, je n'empêcherai pas d'enfanter. Tu m'as enfanté 7 fois. Au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Si tu es dans les affaires vont progresser 7 fois. De manière illimitée, au nom de Jésus. Et je prophétise, cette église va se multiplier encore 7 fois. Au nom de Jésus. Tu as raté l'occasion de dire Amen. Ah, je disais, tu as raté l'occasion de dire Amen. Il est le Dieu tout-puissant. Capable de tout. Serre sa tête de main. Voilà comment est-ce que ce Dieu capable de rien de faire quelque chose. Du néant de faire quelque chose. De sortir de la honte.
te sortir de fais-lui confiance. Ne désespère pas. Peu importe ce que tu vis, ne désespère pas. Il fera de toi une grande nation. Je dis, il fera de toi une grande nation. Il fera de toi une grande nation. Il fera de nous une grande nation. Il fera de nous une grande nation. Quand je regarde notre Père qui est aujourd'hui, qui a été rappelé à Dieu, toutes les œuvres qu'il a laissé implanter au travers du Congo, le monde entier. Et parce que nous les fils, nous honorons la grâce qui était sur lui. Nous avons la double portion. Et nous ferons le double. Parce que nous devons faire le double. Ah, il faut travailler. C'est possible. Les nations sont en toi. Je suis venu dire à quelqu'un prophétiquement, les nations sont en toi. Tu vois juste une affaire. Vois-toi dans plusieurs affaires. Tu as les nations derrière toi. En toi, il y a des choses. Ça va sortir. Un temps marqué par Dieu. Selon sa souveraineté, ces choses arriveront à la manifestation. Et même on les toucher. Tes yeux les verront. Alléluia. Alléluia. Le Dieu aux possibilités illimitées. El Shaddai. Il est capable de tout. Alors je me suis posé la question, mais qu'est-ce que c'était ces nations qui devait sortir dans ma âme? Et en lisant la parole, j'ai compris une chose. Il y avait déjà, tu avais dit avant, je me suis dit d'apposer ça, mais ça prend le pape de la mer. Là, il est question d'Israël, la nation d'Israël notamment. Israël, il n'y a pas qu'Israël, mais aussi Israël. On sait plus qu'Israël parce que Israël, c'est d'Israël qui sortira le Messie, qui doit perdre les nations. Israël, l'enfant que Abraham avait eu avec Agar. Ça, c'est devenu une grande nation. Moi, c'est moi d'avoir avec Agar dans un peu bon qu'est pour la nation. Aussi, les enfants d'Abraham avaient eu avec Ketura, qui sont devenus des grandes nations. Donc, on a dit, mais pas d'Abraham, avant d'aller dans moi, c'est pour se sauver toi. Derrière toi, il y a des générations puissantes qui arrivent. Amen. Et je vais dire à quelqu'un qui est stérile ici. Le Dieu de la Bible ne permettra pas que tu restes stérile. Je te dis au nom de Jésus, ta stérilité change aujourd'hui. En fécondité, tu auras des enfants. Je dis tu auras des enfants. Que tu sois un homme ou une femme, tu seras fécond. Je dis à Abraham, je te rends fécond à l'extrême. Nous sommes dangereux. Nous sommes fréquents à l'extrême. Nous sommes aux abords pour ça dans de l'eau. Vous savez, l'éléphant donne naissance à un seul petit. Mais nous sommes mais les cochons donnent. Parce que nous, toi, tu es plus que lui. Yo le dis. Alléluia. Amen. Plusieurs derrière toi. Mais il y a quelques années, ça me voit le dit. Avant de me marier, j'étais seul. Quand je me promenais, j'étais seul. Mais aujourd'hui, quand je me promène, j'ai madame à côté. Moi, ça t'a fait que j'ai la troupe derrière. Remplissez la terre. Peut-être la bien rempli la terre. J'observe, je vois qu'Israël est trop vite. Il y a de quoi il faut remplir. Peut-être la bien rempli. Remplissez Israël est rempli. Tu demandes aussi à Dieu une grande maison. Et l'argent pour bien nourrir les enfants. Parce que si tu en as 40, et tu commences à te demander, toi, c'est quoi? Toi, c'est quel homme? Quel homme? Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais d'autre part, ce qui m'intéresse le plus, oui, c'est quoi cette amie? C'est les enfants spirituels. Ça va pas être un abonné. Amen.
Et Dieu lui dit, regarde, est-ce que tu peux les compter? Quelle sera ta postérité? Le ciel représente la spiritualité. Les enfants spirituels. Derrière Abraham, tu vas voir comment toutes les familles de la terre seraient bénies en lui. Pendant les âmes, les nations allaient quitter Babylone pour revenir, pour venir devenir le peuple de Dieu. Esaïe 2, Michée 4, il a eu un dessus de toi que la montagne de la maison de l'Éternel sera le nom dessus des montagnes. Et les nations fuiront. Les colonies se voyaient. Alléluia. Derrière Abraham, il y a beaucoup d'enfants spirituels. Et Dieu compte sur toi pour aller gagner les âmes. Amen. À quoi ça servirait d'avoir beaucoup d'argent? Et si tu ne peux pas être une source de bénédiction pour les gens dehors, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Dieu, nous sommes alors les plus malheureux et les plus heureux. Toutes les bénédictions que Dieu te donne, c'est pour son but. Quand Dieu te lève dans la société, quand Dieu te donne de passer dans les affaires, quand Dieu te donne l'onction, ce n'est pas pour avoir les femmes de chérie à gauche à droite. C'est pour aller sauver les filles. Quand Dieu te bénit, c'est pour que tu sois une source de bénédiction. Alléluia. Amen. Dieu voit des nations qui vont devenir des fils de Dieu. Et voilà pourquoi Dieu t'appelle comme il a fait Abraham. Amen. Amen. Et ce que j'aime avec Abraham, c'est que j'ai vu que les trois petites de personnes dans l'Ancien Testament qui recevaient l'onction descendaient là-bas. Et sont aussi l'image de toi. Et Amen. On a vu dans Genèse, chapitre 17, le verset 6. Verset 6. La Bible dit, des rois sortiront de toi. Parmi les nations qui vont sortir d'Abraham, il y a des rois. Note ça en grand. Il y a des rois. Des gens qui vont recevoir l'onction royale. Pourquoi? Parce que Abraham lui-même était roi. À cette époque, on ne parlait pas proprement des rois, mais Abraham était roi. Il rencontrait des rois. Il a même vécu le roi des Kedor la Homère. Si je ne peux pas rencontrer de roi pour traiter avec le roi, si tu n'es pas un roi. Abraham est un roi. Et si tu es fils d'Abraham par la foi, tu es fait de toi aussi de la race royale. Est-ce qu'il y a des rois ce soir? Je suis venu dire, il y a quelqu'un qui a des rois ce soir. Un roi c'est qui? Un roi c'est celui qui est appelé à régner. Un roi est une personne qui est appelée à gouverner. Une personne qui commande. Une personne qui dirige. Une personne qui domine. Tu as dit à Abraham, plutôt à Adam, dominer. Adam, donne-toi. Et Abraham est venu comme un roi. Et il a donné naissance à des rois. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis venu dire à partir d'aujourd'hui. Arrête ça. Tu es appelé à régner. Tu es un roi inhérent. Ta flamme est à ton voisin, dit bonjour, roi, bonjour. Roi, non, tape la main comme ça. Bonjour, roi, bonjour. Bonjour, roi. Après, ici, ne m'appelez plus parce que vous êtes appelé moi roi de grâce. Non, quand même, appelle-toi. Mets ton nom, appelle-toi à moi. Moi, je suis moi, nous sommes des gars. Amen. Amen. Un roi, c'est celui qui a un esprit supérieur. Il va dominer. Et vous verrez que d'Abraham est sorti plusieurs rois. Dans le plus grand roi d'Israël, David. Et de David. Il dit, je ferai de lui le roi le plus élevé de la terre. Et derrière David, Dieu a sorti qui? Jésus.
Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur, le Seigneur. Non, tu n'as pas bien compris. Le roi des rois. Le Seigneur, le Seigneur. Celui dont la domination ne passera pas sous la main d'une autre personne. Il est roi hier. Il est roi aujourd'hui. Et il sera roi demain. Son règne n'aura pas de fin. Je dis son règne n'aura pas de fin. La Bible dit la reçu les noms. Et souverainement élevé. Au-dessus de tous les noms. L'autorité, c'est le mandat, la permission d'agir,
Et Jésus a dit, je vous ai donné les clés du royaume. Tout ce que tu diras sur la terre au ciel sera lié. Je suis venu pour dire que tu n'es pas n'importe qui. Avec la parole de Dieu, tu as le pouvoir de régner. Fils de l'homme, lève-toi et domine. Fils de l'homme, lève-toi et foule tes ennemis. Et ce que j'aime aussi, David dit, tu dresses une table en face. Vous qui voulez que vos ennemis meurent, c'est une mauvaise prière. Oh Dieu, mes ennemis, ça fait pas mal. Fait pour... Non, ça ne peut pas tenir dans le dos. Ça peut s'en témoin. Ce sont tes ennemis qui vont t'acclamer devant. S'ils ont honte, ils vont t'acclamer par derrière. Ceux qui parlent plus seul, ils vont mettre la bonne assise. Le front était déchiré. Maintenant, il te dit, tu peux entrer dans le sanctuaire.
tu peux venir, tu es de la race des prêtres. Tu es de la race de ceux qui rentrent dans l'intimité. Tu es de la race de ceux qui prennent la voix de la prise de Jésus, ce qui est écrit. Tu es de la race de ceux qui font des prières. Laisse-moi te dire, avec la prière, nous réunirons. Oh, quelqu'un m'a pas compris. Je dis avec la prière. Nous offrons des victimes spirituelles à Dieu. Nous offrons ça. On met ça. Cohen. Bâtisseur des ponts. Réparateur de brèches. Je cherche parmi un homme qui est revenu, qui se tient à la brèche, afin que je ne détruise pas le pays. Lorsque les intercesseurs se lèvent, ils sont comme des sacrificateurs, des prêtres. Oh, notre sacerdoce aujourd'hui, c'est de la prière. Nous intercédons pour les autres. La main de Dieu est à l'œuvre. Et la main du diable se retire. Je vois comment que le diable est en train de retirer sa main de ta famille. Aucun de tes enfants ne mourra. Aucun de tes enfants ne prendra la mort. Aucun de tes enfants ne sera dans la persécution. Non, je le déclare. Aucun enfant ne mourra avant le temps. D'ailleurs, ce ne sont pas les enfants, les parents qui enterrent les enfants. C'est les enfants qui enterreront les parents. Je t'entends que tu n'enterreras pas ton enfant. Non, tu ne peux pas te comprendre, je le déclare. Là où il y a de la réclamation, je dis Satan, sinon Satan nous a réclamé. Mais je prie pour toi. Alléluia. Alléluia. Je veux finir par cette troisième race. La race des prophètes. Est-ce que tu peux le dire en toi, la race des prophètes? Dis, je suis un prophète. Dis, je suis une prophétesse. Pourquoi? Abraham lui-même était prophète. Si vous lisez dans Genèse 20, verset 7 à 8. Abimelech avait pris la femme de l'Abraham. Et Dieu vient l'attaquer, le menacer. Et il dira à la femme de cet homme, car il est prophète et priera pour toi. Il était prophète, mais il ne savait pas qu'il était prophète. Tout comme toi, tu es là, tu es de la race d'Abraham, mais tu ne sais pas que tu nages dans l'action prophétique. Alléluia. Un prophète c'est qui? Ce n'est pas d'abord celui qui porte le titre de prophète. Aujourd'hui il y a les guerres de titromanie. On n'est pas dedans. Oh archevêque, archivape, l'évêque général, l'homme qui crache le feu puisque les dragons, l'attaquant des pointes. On n'a pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin de tout ça. Ça ne réduit pas le diable. Le diable voit ce qui est en toi. Et il ne voit pas ce qui est sous toi. Et il voit ce qui est en toi. Ne vit pas après les titres. Non. Il faut être plutôt que paraître. Amen. Un prophète, c'est un porte-parole. Et Dieu veut de toi son porte-parole. Un nabi. On l'appelle nabi. Alléluia. Celui à qui Dieu révèle les secrets. Les gens qui sont intimes à Dieu. Laisse-moi te dire, plus tu deviens intime à Dieu, plus tu deviens prophète. Dieu a dit à Abraham, cacherai ce que je dois faire à Abraham. Dieu le prophète de Dieu. L'éternel Dieu le fait.
dimension, c'est la dimension prophétique. Et bon, c'est la souque qui est qui vont s'accorder. Dans l'Ancien Testament, on allait consulter les prophètes. Pour savoir ce que Dieu voulait. Mais dans la nouvelle alliance, la promesse de Joël de Ventoux s'est accomplie. Ah, et la caille à Joël de Ventoux. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répondrai de mon esprit sur ma chair, mon fils et mon fils, pour être fils de Dieu. Alors je voudrais savoir qui est fils de Dieu, qui est fils de Dieu ici. Qui sont les enfants de Dieu, levez les mains. Donc si tu es enfant de Dieu, c'est dans la parole de Dieu, tu es appelé à prophétiser. Maintenant, les mille fois de prophètes ne viennent pas t'informer. Au nom de ta mère, que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus.